Alors bonsoir, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. 2 secondes. Comment vous allez, mes gars? On cause de suite, ok? La duchesse d'Anouville, toujours écolo. Aïe! 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 On cause un peu tout de suite, ok? On continue de suite, ok? On va se rattraper ce qu'on a raté toute la semaine. Ouais. Hello, ma fille, pour vous, dans la tour Québec. Vous avez la tour Québec, ok? Vous avez la tour Québec. On parlera de suite. Vous allez m'affairer par rapport à ce qui se passe. How are you doing? Blin, comment tu vas? Tu vas bien, on va s'affairer un peu là. Souba. On parlera des buzz de Barbie, ok? Tout de suite. We're gonna gossip. We're gonna talk about people a bit. It's been a while. I'm back. Day 4 star. Ok? Day 4 star. J'espère que vous m'avez manqué. Hein? Bon, j'espère que je vous ai manqué, pardon. J'espère que je vous ai manqué. Ça fait 2 jours, mon frère, c'est clair. Frank. I'm gonna be
Qu'est-ce que vous faites? What you guys up to? We're gonna talk after this song. I'm gonna speak in French though. So my English people, I'll try my best to translate. Oui, ça va tranquille, merci. Blé, on dit quoi? How are you doing, my people? Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Ça a été une semaine. Vous avez vu les titres, non? Les titres, un titre, soyez. Qu'est-ce qui se passe, même? Toutes les filles qui sont venues, les buzz à Babi, là. Elles sont rentrées où, ça? À commencer par Eunice. Eunice, thank you. Thank you, Ray. Eunice est rentrée où, ça? Eunice, les femmes, vraiment, c'est pas la peine. Vous êtes vraiment. Vous êtes des menteuses, vous, les femmes, là. Hein? Vous êtes rentrées où? A commencé par Eunice. Après, Eunice a disparu. C'est venu, c'est qui encore? Il y a une Mamisita. Après, Mamisita encore. Trop de choses. Où sont les docs? Ceux qui ont le doc que. La fille a été frappée au Mali, là. Et ils sont où ça maintenant? Ils sont entre où ça? Moi, j'ai fait ma vidéo. Quand j'ai fait ma vidéo, là, j'ai pas voulu défendre qui que ce soit. Moi, j'ai blâmé les deux. J'ai blâmé les deux parce que je me dis quoi? Je me dis que. It takes two to tango, ok? C'est deux personnes qui voilà. Si une personne s'est fait tabasser, c'est parce que voilà, une personne, c'est parce que l'autre personne a voulu. Tu peux pas te faire tabasser une fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis tu vas tout rester dans la scène. Donc, j'ai tout aussi même qu'il y avait Anguille sur cette histoire. Et pour Eunice aussi, on savait que c'était un peu bizarre. Elles sont toutes les sœurs de Eve. Eve, la femme d'Adam. La grossesse, c'est Eve. Les grosses, c'est Eve. Les femmes, les grandes sœurs, les tantes, les tout, c'est Eve. Les menteuses. Voilà l'autre qui vient. L'autre d'abord, je ne l'ai pas aimé, mais cette Vital-là qui est venue, c'est long métrage. Ça, c'était pas un long métrage. Même court métrage, mais bon, ça, c'était comme dessin animé. Le dessin animé de 16 heures. Là, vite, vite fait, là. Rapidement, comme ça, elle est venue tomber sur nous. Mais après, maintenant aussi, on vient pour dire qu'ils vont casser ses papos. Et puis, ça commence à se demander pardon. Elle portait les lunettes blanc-noir. Genre. Non, vous les femmes là, vous êtes grave. Vous êtes grave quoi. Des menteuses. Vital, tu es sorti, tu dis que l'autre t'a jamais fait quoi que ce soit. Il dit, va casser tes papous. Maintenant, t'as fait les casser papous là, vous ensemble là-bas. En train de demander pardon, en train de faire comme si de rien n'était. C'est quel genre de baisse ça là? C'est un baisse qui n'a pas duré, c'est pas à faire. Vous allez donner boulot à Eunice, non, pour n'a même pas pu faire quelque chose dans vos trucs. Un baisse qui n'a même pas duré. Hein? Ma soeur n'a même pas pu faire quelque chose avec vous deux là. Hein? Les baisses qui ne disent pas là, on n'est pas dedans. Hein. C'est pas à faire. Comment il s'appelle Blé? Blé, on dit quoi? Comment tu vas? Ça fait deux jours que tu as disparu. Là, j'étais venu pour parler des femmes menteuses. Hein? Des mamacita, actuellement, voilà l'autre qui a des problèmes en prison. Les ceux qui ont les documents, ceux qui disent qu'ils ont les vidéos, hein? Ils sont où ça? Quand tu es une fille, on t'a fait avorter 11 fois. Ok? On t'a fait avorter 11 fois. Et les gens voulaient blâmer le gars. Tu as blâmé quelqu'un qui fait avorter une fille 11 fois. Elle sait pas que. J'ai pas envie de dire de go, moi ici. J'ai pas envie de dire de go. Toi, tu es une fille, on te fait avorter 11 fois. Hein? Cadeau comme ça. Hein? On te fait avorter 11 fois. Toi, tu sais pas qu'il y a pilule à prendre. Tu sais pas qu'il y a des trucs à prendre pour ne pas tomber enceinte de nos jours. Première fois, on dit que ouais, c'est un accident. Et c'est même pas bien de faire un avortement de toute façon. Parce que tu es une musulman, je suppose. Il est musulman, je suppose. Et chrétien, en tout cas, dans la Bible, voilà, ça c'est un meurtre. Moi, j'ai dit que c'est un meurtre. Et personne ne me fera changer ce truc. Donc, une fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 11 fois. Sita, tu es âgé aussi. Hein? Sita, tu es âgé. Pardon. Ça ne t'a ressemble pas à qui dans ça. Regardez, ça ne ressemble pas pourquoi. C'est mon pays, il ne faut pas parler de ce qui se passe là-bas. Il peut parler de ce qui se passe là-bas. Vital a menti. Elle a menti hier. Et le grandeau est venu, il a voulu casser les papos. Et après, maintenant, ça sourit, ça met les lunettes blanc-noir pour parler. Ça ne me ressemble pas à quoi. C'est pas mon pays. Ça me ressemble, il peut parler de ça. C'est qui ça même? Vital a fait comme Eunice Zina ou Laï Gervais. Elle a fait comme Eunice, non, c'est des menteuses. Eunice, elle sortait de l'aéroport,
gens ils sont tombés ici. Elle mange, il y a des filles, dit voilà, c'est pour créer des choses. Actuellement, le pays est bizarre. J'ai bien mélangé à faire des Burkina et Côte d'Ivoire. Maintenant, ça fait que les gens sont insultés de gauche à droite. Et puis maintenant, elle a disparu. Hmm? Et ça, c'est femme. C'est femme, hein. L'autre vient porter les lunettes. À faire des lunettes, mais ça me fait penser à l'autre. Comment on appelle ça même? On dit à qui ça vote une des Miss, de celle qui voulait être Miss, là, qui a fait tomber cette dentuille. Les gens aussi se moquent d'eux. Se moquent d'elle. Excuse-moi, mais c'est quoi le truc? C'est un bijou à barbe. C'est un bijou à barbe, là. Hmm? La fille a fait tomber cette dentuille. Vous riez. Vous allez porter de dentuille dans le futur. Riez bien. Elle vous a rien fait, vous moquez d'elle. Maintenant, il y a un truc aussi, j'ai vu avant-hier là. Et matin, voilà une fille qui vient pour faire. Celle qui s'est fait tabasser. Celle qui s'est fait tabasser par sa rivale. Quand tu t'es fait tabasser par ta rivale, tu n'as rien dit, ils ont racheté ta perruque. Et ça, au dit matin, là, je vois, elle vient faire vidéo du genre, elle ne va pas laisser la dame, quoi. Alors, je suis fan d'Adé. Merci beaucoup, Ilaï. Merci beaucoup. Les femmes qui tabassent les rivales, là, moi, je ne comprends pas. Ou là, ils vont me répondre, parce que moi, tu es une femme, peut-être tu pourras m'expliquer. Hein? Tu attrapes ton mari avec tu attrapes ton mari avec une fille, ok, ou une femme. Pourquoi tu ne t'en prends pas à ton mari? Et tu t'en prends à la femme. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ce petit truc-là. Pourquoi vous ne vous en prenez pas au mari, mais vous vous en prenez entre vous? C'est ton mari qui t'a trompé. Il est avec une fille. Peut-être la fille n'était pas au courant qu'il était marié. Tu vois? C'est un homme. Il est venu peut-être la mentir. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Et toi, tu viens, tu te jettes. Tu veux te jeter sur la fille. Pourquoi pas sur ton mari? Et vous ne changez jamais, hein? C'est bizarre ça. Ça fait deux jours que j'étais venu pour causer un peu avec vous, comme voilà, j'étais pas libre. So yeah, I thought I was just gonna come and talk to you guys. I'm about to go to the gym, so I'm not gonna stop for long. But I wanted to see how you guys doing. If you guys missed me, je voulais voir si je vous ai manqué. Et voilà, c'était un truc rapide. Et je viendrai ici pour parler de ce que je veux parler. Je ne sais pas qui a dit qu'il faut que je quitte dedans, ça ne me ressemble pas. À cause de quoi ça ne me ressemble pas? Aïe, moi je vais venir pour parler de ma page encore, ça a fait. Je peux parler de qui veut. La seule chose que tu n'as pas envie de parler dans cette politique. Parler politique, ce n'est pas pour moi. Moi, je cherche mon jet. Mais je peux parler de tout ce que je veux. Hein. Ou bien. Zinon, c'est ta soeur qui est Zinon, mais quoi. Si c'est ta soeur qui est Zinon, pas lui dire, j'ai dit, c'est une menteuse. Ne faites pas ça, c'est pas bien, ok? Votre mari vous trompe. Tabassez votre mari. Hmm? Maintenant, la mise aussi, on dit quoi? Son copain, il est fâché, quoi. Genre, il veut venir dire qu'il est sorti. Et puis, les gens sortent pour dire que voir la mise. Elles sont passées. Moi, je ne comprends pas les gens. Il y a des gens. Vous pouvez pas. Quand on dit c'est fini, là, vous comprenez. Quand une fille te laisse là-même, elle te laisse pourquoi? Si elle t'a laissé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, le problème, il est où? Aujourd'hui, elle est devenue Miss. Donc, c'est genre buzz, tu veux, mais je ne sais pas c'est quoi. Laisse la fille, elle va faire son un an en paix. Moi-même, j'avais reproché à la titulaire qu'elle s'est mal conduite, limite ridicule. Mais la sortie de la maîtresse, mais aussi vraiment, c'est pas la peine. Aujourd'hui, tu m'as laissé sans voix. La maîtresse, ça aussi, vraiment, tu as venu frapper ton mari. Si un homme, si un homme trompe une femme,
une femme trompe un homme, voilà, vice versa, je pense que c'est qu'il y a un problème, ok? Et moi, franchement, si je suis trompé, si je suis coquifié, c'est comme ça on le dit, hein, ok? Si je suis coquifié, ils sont balichi en main. I'll go, ok? Moi, je partirai, je resterai pas parce que voilà, ça s'est fait une fois, ça s'est fait une deuxième fois. Sérieusement, je suis en train de parler maintenant, ok? Je vais arrêter de rire parce que voilà, j'aime rire beaucoup, je sais pas pourquoi. Tu viens, tu trouves ton mari avec une dame au restaurant. Au fait, tabasser la dame, fait de tapage de gauche à droite. Qu'est-ce que ça changera? Ça changera pas les intentions que ton mari avait. Ou bien, ça changera pas les intentions que ton mari avait. Si il y a lieu de peut-être régler les choses, you know, s'il y a lieu de discuter, si tu sais que peut-être tu as été en erreur, que tu veux essayer de réparer les choses. Sinon, moi, personnellement, je ne pense pas que une relation où il y a eu tromperie, je ne pense pas que ça vaut la peine d'y rester. Franchement, moi, c'est moi, je parle. Mais après, chacun est différent. Et comme vous, Abidjan, si vous aimez dire qu'il n'y a pas garçon, c'est qu'il est bizarre. Quand tu es célibataire, là, ça fait quoi? Si tu es célibataire, là, ça fait quoi? Si tu es célibataire, tu es une fille et puis tu veux peut-être te prendre qui tu veux, n'importe quand tu veux. Je préfère que ça soit ça parce qu'au moins, tu vas peut-être prendre des précautions pour ne pas avoir de problème. Mais quand tu es dans un foyer et puis on te trompe, il n'y a pas de respect. Ok? Rester dans ce foyer-là, c'est dû à quoi? Moi, je n'ai pas compris ce côté-là. Je n'ai pas compris les foyers où, à condition que tu sois peut-être avec un millionnaire, un monsieur qui a de l'argent, ou peut-être, voilà, ton honneur, tu le mets peut-être, voilà, tu marches sur ton honneur, tu marches sur ta dignité, et voilà, tu t'en fous. Voilà. Je peux peut-être comprendre que, voilà, tu es là par rapport à quelque chose. Mais tu es avec un homme qui est normal, et puis il te trompe, et puis bon, toi, tu veux rester. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne resterai pas. Moi, je me fais coquifier. Je ne resterai pas. Parce qu'on me trompera encore une deuxième fois. À condition, peut-être, que je change. Voilà, ce que je faisais qui n'était pas bon. OK? À condition que tu changes ce qui n'était pas bon, peut-être la personne restera. Mais moi, je me dis que voilà, une personne qui a fait une chose une première fois, voilà, elle va le faire encore une deuxième fois. You know? What I'm saying, Il somebody cheated on you. If you don't fix the reason why that person cheated, that person will cheat again. That's what I think. And personally, I wouldn't stay with somebody that cheats on me, ever. The reason I'm talking about it is because, obviously, in my country, there was a drama going on yesterday. You know, somebody caught his husband, a lady caught her husband in a restaurant, and she came, and she was assaulting the lady that he was with, which is something that I don't understand. I don't understand why when a man cheats, the lady, his lady, instead of obviously, why can't she fight the guy? She fight the lady he's cheating with. I don't get it. That lady has nothing to do. Maybe he lied to that lady that he was single. Maybe that lady don't know that he's married. So why beating on the lady? Why fighting among yourself? You ladies, why are you fighting among yourself? Why don't you fight your husband, your boyfriend, or whatever he is? Why are you guys fighting among yourself? I don't get it. And I was saying as well that if somebody cheat on me, I would not stay. Because they would do it again. They would do that again. If they had the chance to do it first time, what's going to stop them doing the second time? You saw him the first time. You might not see them the second time. So that's my point of view. I'm not going to stay for long. I will be talking a while when I talk. Somebody earlier said that I shouldn't be talking about Zeno. Because I was talking about Zeno. Zeno is a lady in the Ivory Coast that obviously made a lie about that she went to the airport in Burkina Faso and some people assaulted her. Some police officers assaulted her. So, yeah, that brought some drama in the Ivory Coast where I'm from. So I was talking about that earlier. Donc mes soeurs, c'est ce que je disais. Donc je vois si j'ai eu des... Voilà, donc c'est ce que je disais. Si vous n'êtes pas dans des relations stables, je pense pas que ça vaut le coup d'y rester. Voilà, ça vaut pas le coup parce que voilà. On dit être mieux seul que d'être mal accompagné. Et franchement, franchement, il faut être mieux seul que d'être mal accompagné parce que voilà, du manque de respect... Après, tu vas te dire que non, il va changer. Un mec ne changera pas. OK? Il ne changera pas. Mon titre, il était là pour vous les femmes parce que vous les femmes, c'était menteuse.
Vous êtes menteuse, j'étais venu pour parler à Vital, qui est une menteuse. Vital, tu as menti d'ailleurs, elle a menti. Mais après, c'était Eunice, sinon, qui a menti aussi, mais qui s'est calmée. Et la troisième, c'était qui même? Mamacita. On peut faire ça. Genre, quelqu'un t'a tabassé comme ça. Apparemment, c'est la photo d'avant. Bon, bref. Au fait, c'est le résumé de la semaine parce que je suis tellement busy ces jours-là. You know? I'm so busy these days that I can't be talking about things that on a daily basis. Okay? Je ne vais pas parler de choses journalièrement. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai mis en gros ces trois grosses têtes qui ont fait des bruits sur la toile francophone. Donc, c'était des faux stars. Je partirai. Mais je reviendrai pour dire ce que je vais dire. Parce que j'ai le droit de le faire. Ok? That's my page. Ok? C'est ma page dont je peux faire ce que je veux faire. Pourquoi tu fais ça même? Petit, je bave comme ça. Tu es trop. Merci beaucoup, Laï. Laï, tu es grave. Moi aussi, je vais me mentir sur toi. Tu as dit quoi, Simon? Tu as dit quoi, Simon, ma soeur? Moi, je suis bien. Tu mens si toi, c'est si toi ça a resté. Parce que moi, je suis un bon garçon. Comment tu éprouves qu'elles ont menti? Comment j'ai les preuves qu'elles ont menti? Ouais. Qui est venu pour les. C'est la version de l'autre qu'on a eu, non? Bon, tu veux qu'on commence par qui? Tu veux qu'on commence par Mamacita, ouais? Commençons par Mamacita. Quand Mamacita avait sorti son truc, là. Nous tous, on est sortis ici, par exemple, on s'est dit que, ah, un monsieur. Moi, je suis sorti, mais je n'ai même pas défendu qui que ce soit. Quand Mamacita a fait son truc, je suis venu, j'ai blâmé les deux. J'ai dit qu'en tout cas, pour un homme, tabasse une fille, une femme. Non, moi, j'aime pas ce genre de personne, ok? J'ai pas aimé ça, mais je me suis dit quoi? Je me suis dit que si tu te fais tabasser par un homme, c'est que tu l'as voulu. Parce que voilà, un homme peut pas se lever pour tabasser tout le monde, ok? Si tu te respectes pas, on te respectera pas. Moi, c'était ce que j'avais dit quand je suis venu ce jour-là, ok? Et aussi, je me suis dit quoi? Je me suis dit qu'on te tabasse, il y a des années de cela. Pourquoi tu viens pour parler de ça aujourd'hui? C'était un peu louche, ok? Donc, je n'étais pas venu pour prendre parti pour qui que ce soit. J'étais venu pour blâmer les deux parce que voilà, c'est pas bien de tabasser la femme. Et en deuxième position, c'est pas bien de rester dans une relation où on t'abuse. Et en troisième position, j'étais dégoûté des deux. J'étais dégoûté des deux parce que voilà, je me disais que c'était vrai que voilà, elle a fait 11 avortements. Ok? Pas que je croyais, mais par rapport à ce qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit que voilà, 11 avortements, je ne blâmais pas qu'elle seule, je blâmais les deux. Parce que voilà, je ne peux pas enceinter une fille 11 fois et puis ça va se faire. Bien que personne n'avait les preuves. Voilà, c'était moi mes points de vue que j'ai donné, ok? C'était ma point of view. J'ai donné mes points, mais comment on dit ça en français? Mes réflexions sur ce truc. Donc, maintenant, pour Eunice, si on veut parler de pour Eunice, tu as dit quoi? Moi, je ne veux pas, merci. Je veux que tu me mentes. Tu y vas, tu me comprends. Je te comprends très bien, ma soeur. Donc, ce que j'ai dit pour Eunice, là, comment on peut dire qu'Eunice ment? Comment on peut dire qu'Eunice ment? Parce qu'il y a une femme qui a aidé Eunice à l'aéroport, non? Peut-être cette femme aussi est ment. Et voilà, cette femme aussi, c'est une femme. Non, si elle ment aussi, c'est la même femme qui ment à chaque fois. Donc voilà. Donc pour Eunice, c'est pas que j'ai pas cru à ce que Eunice a dit, mais j'ai pas cru à ce qu'elle soit innocente, ok? Moi, j'ai pas cru à ce qu'elle soit innocente parce que voilà, elle sort de l'aéroport, elle fait son direct, et puis voilà. J'ai pas voulu rentrer dans la bataille des gens qui se sont mis à insulter. Les Burkinabés insulter les je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas rentré dans cette bataille là. Moi, je suis là, moi, je les regardais parce que je voulais avoir les preuves pour pouvoir parler. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, la seule peut-être preuve qu'on a eu peut-être à entendre, c'est quelqu'un qui dit qu'il avait l'audio. On a écouté, moi, j'ai écouté même l'audio d'une femme qui disait que voilà, c'est elle qui a séparé. Elle a séparé Eunice pour la mettre dans son bureau, un truc comme ça. Eunice avait mentionné cette dernière là. Elle ne se rappelait plus du nom de la dernière. Elle ne se rappelait plus du nom de la dernière, mais elle avait mentionné cette dernière. Donc, bonsoir Mamadou, comment tu vas, Sidi B? Donc, voilà, c'est ça, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui fait que je me dis qu'il y a du mensonge dans l'air. Et là, pour Vital, voilà, on a tous su que c'était du mensonge parce que, voilà, le mec, il est sorti et il a dit qu'il allait casser les papos. Et apparemment, il a mis quelque chose qu'il a effacé plus tard, ok? Il y a un gars qui dit qu'il a envoyé les choses qui ont été mises sur le mur de l'autre. Mais voilà, on a vu l'autre qui est parti chez elle à la maison et ça rit aux éclats. Voilà, ils sont contents là-bas maintenant. Et puis bon, il a dit des choses qu'il fait pour elle qu'on ne savait pas, qu'elle n'avait pas mentionné. Apparemment, il dit qu'il ne fait rien pour elle.
Mais on dit, il gère ses clips vidéo, etc. Auquel okay, c'est des détails, je ne vais pas m'attarder dessus parce que voilà, ça me perd du temps. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on s'est dit, bah, attends, il y a des trucs qui sont pas vrais dedans. Mentons-nous vivants. Ah, mentons-nous vivants, hein? Ça c'est à faire. C'est que sûr, rien n'est sûr. C'était Défaut Star, content de causer avec vous. Peut-être je causerai encore plus tard. Dans ma barbe, il n'y a rien. Dans ma barbe, c'est juste un bijou de barbe. Regarde dans ta barbe, il y a quelque chose. C'est un bijou de barbe, ok? Merci de parler de ça. Mais c'est un bijou de barbe, il n'y a rien de vilain là-bas. Donc, c'était Défaut Star. Je vais vous laisser. J'espère que, bon, je pars à la gym, donc on va se voir plus tard. On causera une prochaine fois, ok? Oulaï, enchanté de te connaître. Et tout le monde, bonsoir Naomi, comment tu vas Naomi? Stéphanie, tu viens, moi je suis en train de partir. Hein. So my people, I'm gonna go, ok? I need to go to the gym. So we're gonna talk maybe later on. I'm probably gonna connect later on, ok? It was nice chatting to you guys. Donc portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ok? De même franger. Ouais, see you later. Ouais, bye.